Ok, je vais positionner ma caméra comme ceci. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous pétez la forme. Alors, avant que je commence cette vidéo-là, je voudrais faire un petit point sur ma chaîne YouTube. Comme on dit, une page se ferme et une page se tourne. Voilà. Comme ça, c'est dit, comme ça, c'est fait. Voilà, j'ai longuement réfléchi. On est en Covid-19, etc. Eh bien, écoutez les amis, ma chaîne passe officiellement à la vape. Voilà. Alors, pour la simple et bonne raison, c'est qu'on est en état de sanitaire Covid important. Je m'amuserai pas à faire des vidéos sur les vlogs. Ça, c'est complètement fini. Comme vous pouvez le voir, il y a un nouveau logo qui est parvenu sur ma chaîne, donc qui a écrit un joker avec le mot vape. Alors, le nom de la chaîne va changer. Elle va changer. Je sais que ça a été changé milliards de fois, qui n'a pas trouvé sa place, sauf que là, c'est officiellement sûr. Est-ce que ça va s'appeler... Parce que j'avais un nom en tête. C'était soit Vape Extrême ou Vape Pro ou Vape 2020. Voilà. Ou Joker Vape. Voilà. On pourra l'appeler comme ça. C'est à vous de décider en commentaire. Ça me touche énormément et ça me touche du fond du cœur de pouvoir enfin réaliser quelque chose que j'obtiens seulement. Bref, bon, c'est pour ça que quand j'ai changé de téléphone, je me suis dit, bon, voilà, merci en tout cas à mon ami de me l'avoir prêté et ce qui peut me permettre aussi de pouvoir travailler mes vidéos et qui peut me permettre de faire des trucs sur ma chaîne YouTube. Voilà. Alors aujourd'hui les gars, on va tester pas n'importe quel liquide. On va changer du contexte du liquide fruité et boisson. On va passer au liquide gourmand. Voilà. C'est le liquide French liquide. Donc c'est au jus de boudin noir. Donc boudin noir, je sais pas, ça vient d'où. Donc c'est accompagné de popcorn, caramel, vanille, noisette, grillée. Et d'une noix de pécan. Voilà. Donc on va voir tout ça si tout est ok. Alors, je regarde si tout est ok. Normalement, non. Ça commence bien. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas hein, à lâcher un maximum de pouces bleus, à liker, partager. Merci pour les 229 abonnés. Moi, j'étais plein. Nickel. Donc merci pour les 229 abonnés. Voilà. Donc partager, aimer, liker, etc. J'ai oublié de vous dire aussi, c'est qu'entre-temps, on aura pas des intros, parce que ça, les intros, ça va pas venir maintenant, ça, je le dis directement, faut vraiment que je trouve quelque chose. Mais on aura du montage vidéo, ça, c'est clair. Très prochainement même, je pense, très très prochainement. Hein. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer à tirer une première fois, puis une deuxième, puis une troisième, et puis après, je vous donne mon avis. Donc, on est toujours sur la Tesla, Zeus, ça change pas, Spirex d'origine, et c'est parti. Donc déjà, on va commencer par les simples choses. C'est que gourmand, ça me parle. C'est ni écœurant, ni désagrédant. Ah, j'arrive plus à parler. Dérangeant, pardon. Donc c'est pas vraiment ce qui me dérange le plus. Bon après, un liquide gourmand, ça peut le faire, je pense. Alors j'ai un problème avec ma Tesla. Bon. On va commencer par le point le plus positif et le point négatif. Alors le point... alors je suis en train de checker là. Triptyle. Ah ouais non, il est trop grand je pense. Tu vois, si je fais ça, ouais il est trop grand. C'est dommage. Hein. Bon. Je verrai bien demain. On verra demain si j'en achète un ou pas pour... Du coup, ouais, parce que faudra j'en rachète un pour Atus. Du coup, on va tester donc ce liquide-là. Donc franchement, il a l'air plutôt pas mal. Alors, la Zeus, elle a du mal ce soir, je sais pas ce qu'elle a. Non, elle a pas. Putain, elle a du mal. À chaque fois que je fais une vidéo, à chaque fois, c'est en mode refroidissement. J'aurais dû la faire sans la mag, mais la mag, elle est... Je vais prendre la mag en attendant. Donc voilà, donc sur la mug, moi je suis sur un petit fruité citrus.
Donc toujours avec une résistance à ouais. Je précise parce que voilà, ça a été... c'est un truc qui est mal vu à ce qui paraît. Pour moi, c'est pas ce qui est mal vu parce que moi, à mon avis, j'ai lavé ma résistance à l'eau avec la mague. J'ai aucun problème, vous voyez bien, en vidéo, je l'avais fait. Franchement, le citrus, il est... Le citrus... Citron. Citrus. Je vais y arriver. Donc le citrus, ouais, non, franchement, il est excellent. Oh, bon, ça reste un liquide, quoi. C'est du... C'est toujours de la bonne qualité de chez Vapeur Essence. On recommence. Toujours en mode refroidissement. On va la laisser, hein. Parce que j'ai un problème, en fait. Ça va avec ma tête. Je l'ai pas bougé depuis. Est-ce qu'il y a mauvais contact? Ouais, je pense qu'il y a mauvais léger contact. La Tesla, je pense que... Enfin, je la fasse réparer. Est-ce qu'on va y arriver? On va y arriver. Allez, c'est parti. Déjà, pour commencer, on a un bon point. On a une bonne saveur de liquide. Une bonne fumée. Déjà, faut savoir que moi, il est gourmand, ça fait 4. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout ce qui est gourmand, fruits et boissons, ça passe. Voilà. Si vous avez aussi, hein, je le répète, je sais pas si je l'ai déjà dit dans mes vidéos, mais si vous avez des liquides à me proposer, dites-le-moi en commentaire, que ça soit Freezy, Pulp, Saveur du Dragon, Bubble Tea, j'allais dire. Bubblegum, café, y a des trucs comme ça, dites-le-moi en commentaire, je l'achèterai et je vous ferai le test. Ça me pose pas de problème. Au moins, je fais plaisir à ma communauté comme d'habitude. Alors, petit aparté, parce que j'ai dit, je suis en train de fumer ici le citrus. Voilà. C'est qu'est-ce qu'il y a là sur la bague. Donc voilà. Donc le gourmand, il est plutôt pas mal. On a vraiment une bonne saveur de liquide. On a vraiment une bonne sensation de fumée qui tient vraiment bouche. Alors, savoir que moi, tout ce qui est caramel et tout le bazar, moi, j'aime pas trop ça, tu vois. Je vais aller boire un coup, je reviens. Donc voilà, tout ce qui est caramel, vanille. Ah, vanille, j'ai pas encore testé. Je vais voir pour en acheter un demain. Putain de merde. On a vraiment une bonne sensation de fumeur. Franchement, ce liquide-là, je pense qu'il y aura une bonne note. À chaque fois, je note toujours bon. Mais à chaque fois que je fais une vidéo, il y a toujours un liquide qui passe super bien. Ça me plaît. Franchement, les liquides que je prends, c'est vraiment de la bombe. Hein. J'ai pas à les noter de mal parce que franchement, Vapeur Essence et Achailleur, ils font des vraiment bons liquides, surtout Vapeur Essence. Hein. Allez-y, voir sur Paris, ils ont des boutiques, les gars. C'est des malades, quoi. C'est des tarés, les citrus. Là, le noix de pécan, là, le machin chouette, là, le gourmand, je l'ai acheté aussi chez Vapeur Essence. Le citrus, c'est pareil. Le jaune, là, je sais pas où qui se balade, lui. Il doit être derrière moi. Non, il est pas derrière moi, connard. Putain, je suis super vulgaire dans ma vidéo. Super, mettez un pouce bleu si vous avez kiffé tout ça. Tout ce qui est cola. Non, le cola, je l'ai pas. Non, non. Non, le cola, je l'ai acheté autre part. Mais tout ce qui est citrus, le melon. Tout ça vient de chez Vapeur Essence et franchement, c'est une bonne boutique. Hein. Franchement, c'est pas à dire. C'est vraiment ce que j'adore. Franchement, c'est un bon liquide. Elle a décidé vraiment de faire de la merde. Putain, ça m'énerve. Franchement, on a une bonne intensité de fumée. Très bonne. Bon. Si je veux, si j'ai envie de descendre, ça fait quoi? Ouais, on va aller jusqu'à 60. Ouais, parce qu'en fait, je vous explique, la Zeus, elle est malade, elle est dans sa tête. Je recommence. Ok. Bon, on va commencer par les bons points positifs. Les bons points positifs, c'est que déjà, on sent bien tout ce qui est côté gourmand. Ce qui est normal. C'est un liquide qui est plutôt épais. Alors, le matin, je ne l'ai pas testé, je le testerai demain matin. Qui est plutôt épais. Pas dégueulasse à fumer. Et qui néanmoins est vraiment un très bon liquide.
Le plus de ce kid là, c'est que ça fait énormément de VP. Par contre, de vap. J'y arriverai pas. La Tessa, s'il te plaît. Décolle, merci. Il n'y a pas à dire de plus sur ça. Franchement, c'est un bon liquide. En soi, ça peut être conseillé par les gens qui cherchent du côté gourmand, très gourmand, avec vraiment une, comment dire, une fumée vraiment très épaisse, hein. Si par exemple, voilà, je prends la mag, c'est un liquide pour moi qui reste pour moi quand même un liquide assez lourd, donc fumée légère. Bon, la mag, je veux dire, ça fait depuis longtemps qu'elle me crache des revers dans la gueule. Mais vous voyez, par exemple, ce liquide-là, ça crache vraiment des gros nuages. Là, c'est des épais nuages, mais énormes. Si vraiment vous voulez avoir du bon matos, prenez de la mag, prenez de la Zeus, prenez tout ce qui est ça. Mais franchement, c'est un très bon liquide, hein. Le jus de boudin noir, il est vraiment super excellent. Il n'y a pas à dire. Je suis pas fan des fois des gourmands parce que des fois ça reste écœurant, mais là c'est vraiment. Puis même le design il est vraiment nickel, hein, franchement. Boudin noir, bon, hein, mais il est vraiment cool. Franchement, on sent bien ce côté gourmand, on sent vraiment tout. Oh, putain, la Tessa elle a du mal ce soir. Bon, de toute façon, la Tessa, j'en ai marre. Voilà, en tout cas, bah, une petite note sur 10. Allez, comme d'habitude, ça fait plaisir. Une note sur 10. Pour le liquide du boudin noir, c'est un 9 sur 10. Je vais pas tout le temps mettre un 10 sur 10, même si c'est parfait, je vais mettre un 9 sur 10. Rien que la qualité, rien que la fumée et l'odeur de tout. On a vraiment tout, c'est vraiment nickel. Ça change pas, franchement, c'est un liquide de malade, je me régale avec, je me régale. En tout cas, voilà, c'est la fin de cette vidéo-là. Merci pour les 329 abonnés. Je vous aime du plus profond de mon cœur. Une nouvelle page se tourne, les amis. Je vous rappelle que la chaîne change officiellement et officiellement sur deux noms de chaîne. Ça sera Joker Vap. Ça y est, j'ai décidé. Donc, ça sera Joker Vap. En tout cas, voilà, j'espère que cette chaîne-là va vous plaire. Ça sera un nouveau concept. Désolé pour ceux qui vont voir du vlog, ce sera pas dès maintenant. Il y aura du vlog, ça sera toujours du vlog. Mais moins de vlog, ça veut dire qu'il n'y aura que de la vape et un tout petit peu de vlog, voilà. Il n'y aura plus de morning routine, il n'y aura plus ça. Les anciennes vidéos resteront bien sûr sur ma chaîne, ça c'est forcément obligé. Je les supprimerai pas parce que voilà, tout le temps de travail que j'ai pu faire, ça sert à rien. Je les laisserai pour vous rappeler quelques souvenirs. Mais en tout cas, ça restera sur la vape. Et on a des liquides pleins à la table à tester. On a testé le bubble, on a testé le bubble gum, on a testé le café gourmand, on a testé, je crois, le citrus. Il nous manque le melon. Non, on n'a pas testé le citrus. On a testé le melon, on a testé le gourmand et on a testé. Eh ben, c'est tout. On a tout testé. Et on n'a pas testé le fusion. Le fusion, les mecs, je vais vous le faire tester, mais ce sera que avec la Swag 2. Parce que voilà, la Swag 2, je pense que j'ai son capot. J'espère pas que je l'ai jeté parce que si je l'ai jeté, je suis dans la merde. Ouais, et ben je crois que je... Ah non, il est dormant. J'ai eu peur parce que avoir une pièce détachée de capot, ça fait mal. En tout cas, les amis, ça me fait plaisir. Et la Tessa, tu fais chier. En tout cas, les amis, ça fait plaisir de vous retrouver. En tout cas, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Les majeurs, les mineurs surtout, ne vous mettez pas à fumer, c'est pas bien pour la santé. Non, non, honnêtement, c'est pas bien pour fumer. Tout ce que j'avais à vous dire sur les jeunes. Après, bon, quand vous êtes majeur, faites ce que vous voulez, défoulez-vous, buvez, surtout avec modération. On se retrouve à la prochaine pour un nouveau test. Je vous aime, plein de bisous. Faites attention à vous, portez-vous bien, abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve à la prochaine pour un nouveau test. Allez, sur ce, je vous aime, à très vite, ciao.